Et nous-mêmes, tout dans la diaspora, nous t'arrêtons, nous jouons nos pays, nous t'arrêtons, nous souffrons dans la fin de sécurité pour nous voyager, retourner la caille. Nous, on avion, mon chita là-dedans, ils font photo. À peine si il y a 4 personnes là-dedans, qui peuvent entrer en Haïti, parce que tout le monde qui a la peureuse, il n'y a pas qu'à l'en pays. Moi-même, t'arrêtons entrer, venir nous famille en Haïti, mais les familles qui pas bon ici, dans la cour New York, qui peut, qui dit, s'il vous plaît, pas en Haïti. Donc, on ne peut plus retourner chez soi, finalement. On parle de l'insécurité. Qui ont perspective, qui ont ouais sécurité en Haïti, gangs ont entré dans la vraie question, parce que là, c'est les gangs, c'est les bandits légaux qui ont dirigé la Kounia là. C'est le banditisme légalisé quelque part. Qui ont ouais qui ça qu'on a dit nous-mêmes dans la diaspora, pas qu'on dit pour rassurer nous, non? Ben, ba nous idée de qui ça est vrai. Qui ça m'a dit nous de plus que nous connaissons? Nous, image, nous avons une situation. Et nous tendez. Président de la République dominicaine a parlé de la somalisation d'Haïti. Nous pas besoin de dire encore. Il a dit que le pays est arrivé à un niveau côté que ces zones de non-droit qui ont précédence sous des zones de droit. Il y a moins côté que la police nationale avec pouvoir ça a un contrôle de eux que côté où pas un contrôle de eux. C'est l'anarchie généralisée. C'est malheureusement une insécurité généralisée qui n'a pas épargné personne. Son ambiance de sauve qui peut. Et là, on a un pays à avoir parlé avec le monde. Ça plus fort la peine ou bien qui plus frappe. C'est la période avec angoisse qui envahit tout. Quel que soit la couche sociale, quel que soit l'âge, ah oui. Quel que soit malheureusement, je vous dis, on a vécu une situation extrêmement difficile. Sauf que, à partir du moment qu'on a les bonnes personnes à la bonne place, on a des conséquences qui sont capables et qui ont une velléité politique pour résoudre le problème de sécurité, sans pas obligé de rentrer dans le détail, je dis, il n'y a pas 6 mois pour le problème de résoudre. Parce que nous avons des techniciens, nous avons des policiers capables de former, nous avons des stratèges. Mais pour le travail, faut-il bien qu'il y ait une volonté politique. Vraiment, 6 mois. Six mois, par exemple, pour résoudre le problème de sécurité, hein? Problème de bandits, on est obligé de camper sur ça. Intéressant. Alors, faut clair son bagage. Criminalité. Il y a dans tout le pays. Il y a au Brésil. Il y a New York, Cotoya. Il y a la côté à Saint-Domingue. Mais ce n'est pas la norme. L'homme dit 6 mois, c'est pour retourner à la norme. La norme. Okay. Bing. Ou bien les gonds, son bagage exceptionnel. Ce n'est pas le lot de tous les jours. Donc, nous-mêmes, qui très très proche police nationale, là, et ma remercie au Valérie Saint-Louis, parce que je me changeais, que l'on est venu visiter le Parlement en 2018, ou tu es venu filmer au moment que je t'ai présenté une proposition de loi sur la police nationale d'Haïti. Proposition de loi, ça, je t'ai présenté, c'est justement pour nous équiper la police. Pour nous mettre en direction du bien-être des policiers. Parce qu'un policier en insécurité, pas capable de sécurité. Parce que pour petit, pour madame, il faut bien accès à l'éducation et à la santé gratis. Et parce que toute criminalité a évolué, il faut nous regarder qui disposition légale, qui encadrement légal, que nous sommes capables de faire la police là, à côté de l'équipement et volonté politique qui pourrait hein, pour eux-mêmes, ils mener à bien mission qui s'est protégé accès à la population. Oh mon Dieu, et là franchement, au cas comprendre qui j'en nous même dans la diaspora, et nous n'avons que sauté jusqu'à présent, nous t'endons qui parler là, c'est vrai pour le moment, pour le, enfin, moment présent, nous dit, et dans un navire, court, lointain, si vous voulez, nous pouvons avoir un problème insécurité, un problème banditisme, ou même qui soit qu'à proposer, est-ce que, par contre, moi, en tant qu'homme d'État, ou monde qui quand même aspiré à prendre les rênes du pouvoir, qui soit qu'à proposer. Pas gain aucune politique publique sérieuse pour capable de déployer nos environnements politiques toxiques. Ça veut dire que problème politique là, c'est lui qui prédomine aujourd'hui après ma parole. Parce que quel que soit ce qu'on va faire, c'est laver main sur la tête. Parce que le pays n'a pas de stabilité, il n'a pas de sérénité, il sorti dans un rail constitutionnel. Ou non, sauf qui peut généraliser. Faut nous voir un accord politique global
Côté nous prenons toute question, yo, mandat journal qui finit pour l'aller, question constitution, question sécurité, question CEPA, question nouveau premier ministre, question stratégie sécuritaire qu'on va parler de l'IA. C'est seulement à partir d'un accord politique largement large, patriotique et national, que nous sommes capables de manier question ça. Il y a des détails que nous n'avons pas besoin de regarder, mais nous sommes capables de dire, sous base de crédibilité, que nous-mêmes nous sommes capables de faire une discussion faite avec experts en matière de sécurité, la langue est perdue. Et m'a invité nous à regarder ce qui est passé en Jamaïque au début des années 70. Et une situation plus ou moins similaire, mais ils ont réussi à sortir. Parce que ils vont là, ils ont des responsables d'État qui ont pris le pouvoir et puis qui viennent corriger la vie. Voilà. Et tout ça, je vous dis sur la question. Et ça nous apporte un souffle d'espoir. Wow, merci pour ça. Et merci pour l'exemple jamaïcain. Effectivement, très bon exemple. On point. Jamaïque, je ne veux dire, son gros, une, peut-être deuxième ou bien première destination touristique. Et vraiment, nous songer, bandit est vraiment envahi pays ça.